Bonjour les geeks et bienvenue dans la caverne du French Geek. Avant de faire des vidéos sur différents auteurs de bande dessinée, laissez-moi vous expliquer le pourquoi du comment. Pendant longtemps, j'ai acheté mes BD à l'unité. Ça prend beaucoup de place. C'est très cher, c'est difficile à ranger, parce que déjà, il n'y a rien sur la tranche, donc on ne sait pas de quel épisode il s'agit. Et puis, si vous les rangez dans des pochettes en plastique, il faut les ranger dedans, les remettre, les enlever, les remettre, les enlever, ça prend du temps, etc. Depuis quelques années, je remplace toutes mes BD à l'unité par des compilations, des albums reliés, ce que les Américains appellent des trade paperback. Voilà pourquoi, à quelques rares exceptions près, je vais vous parler surtout de trade paperback, et quasiment jamais de BD à l'unité. Il faut aussi que vous sachiez que je ne suis pas le fan d'un héros en particulier, mais je suis fan de dessinateurs. Donc en fait, je suis des dessinateurs sur différents héros. Par exemple, Frank Miller sur Daredevil, Elektra, Sin City, John Byrne sur Alpha Flight, X-Men, Next Men. Donc je vous parlerai d'artistes et d'œuvres en général, plutôt qu'un super-héros en particulier. Je vais d'ailleurs essayer de vous faire découvrir ou redécouvrir de grands noms, comme Gil Kane, Frank Miller, John Byrne, Jim Steranko, Barry Windsor Smith, etc. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu et puis abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt dans la caverne du French Geek. Ciao, ciao!